Fleur Pellerin, je suis ancienne haut fonctionnaire, ancienne ministre et désormais à la tête d'un fonds d'investissement. Quand vous avez une petite fille, encouragez-la à faire des maths. Si vous sentez qu'elle a un esprit un peu matheux, encouragez-la dans cette voie-là. Les jeunes filles ne doivent pas se désintéresser des études d'ingénieur, les études qu'on dit STEM, qui sont des études scientifiques. Il faut vraiment aller investir ces métiers-là. Ce sont des métiers qui ne sont pas faits pour les hommes seulement. J'ai envie de le dire aux femmes aussi qu'elles soient ambitieuses, qu'elles ne s'auto-censurent pas. On voit que les femmes, quand elles vont lever de l'argent, elles lèvent des montants qui sont inférieurs à ceux des hommes pour des projets équivalents. Donc voilà, il y a plein de strates dans la vie d'une femme, que ce soit au moment de l'éducation ou plus tard dans la carrière, où finalement on s'autocensure et on se fixe des limites. Il faut faire péter, sauter ses limites. Donc c'est ça que j'ai envie de dire, mais évidemment c'est plus facile de le dire que de le faire.